Bonjour et bienvenue dans le 72e épisode de ce Let's Play sur Neverwinter Night. Alors je vous avais laissé dans le niveau 1 du cimetière. Je me suis reposé. Comme un âne, comme un bourricot ronge-mort, il était retourné voir le seigneur zombie, donc je me reposais. Je voyais que lui, il ne bougeait pas. En fait, il était ici, donc il se reposait pas en même temps que moi. Bon, on va essayer de... Ça m'étonnerait que je puisse. Ah si. Je pensais que je pourrais pas. Bon, voilà. On va les flinguer. Voilà, on va pas s'embêter non plus. Hein. Je fais pas beaucoup de dégâts quand même. 3. On va changer. Il faut vraiment que j'arrête de fumer. Bon, hein, on va retourner. Ah d'accord, j'avais une clé pour ouvrir. Allez, 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 allez. Où est-ce que je suis? Je suis là. D'accord. Ouais, très bien. C'est quoi, c'est des bouts qui sont tombés? Encore un sort, on sent. Peut-être que je vais penser en utiliser un de temps en temps, juste pour m'en débarrasser. Oh là. On va aller essayer de se faire l'autre. Il a l'air sérieux celui-là. Allez, dépêche-toi. Oula. Allez. Allez. Mais putain, mais vas-y, défonce-le. Pendant qu'il est occupé. Je comprends pas, il arrive. Ouais, bah voyons. Il arrive quand même à lancer des sorts alors que je lui tape dessus. Oui, bon. Ok. 12, voilà. Allez, viens avec moi, toi. C'est quoi ça? Être arraché à l'étreinte du Seigneur Silencieux est... Oui, tais-toi, allez. Blanc. Oui. Hop. Dégâts réduits. Jet de sauvegarde réduit. Compétence réduite. Résistance au sort réduite. Oui, que des trucs sympathiques à qui il m'avait fait. Salut! Je vais tous les soins. On va lui vendre. Hop. On va lui vendre la bague là. Que... Manifestement pour eux, je suis pas un saint. Est-ce que. Cuirasse plus 3. Je sais pas. Par contre, je pourrais peut-être la refourquer dans un sac. Bon, tiens, je m'en débarrasse de ça. On va se sentir un peu plus léger. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle offre celle-là? C'est un plus simple. Ah, tiens, elle pourrait être pas mal éventuellement celle-là. Seulement, mais elle est peut-être intéressante au niveau des sorts. Ah, elle est où?
bah elle a l'air légère. Ah oui, réduction du poids, oui, elle fait que 18 kg. Bon, tant pis, hein. On va voir comme ça. Qu'est-ce que j'ai ? Essence de dégâts, immunité au serment. Bon, je sauvegarde. Et on y retourne. Et moi, il faut que je me fasse le père Tobias là. Allez, allez. Voilà, allez. Allez. Voir. Il lui reste 40 points de. Oh, quand même. Hein. La réduction des dégâts absorbe des points, il reste 40 points. Il reste... Ah, voilà, donc c'est bon, maintenant il va... Voilà, il mange. Il a mangé, voilà, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il est lent? Pourquoi il était lent, le seigneur zombie? Bah voilà, il est mort. Ah bah d'accord, ça c'est un objet que je devais récupérer. Alors, donc on sauvegarde. Hop, déverrouillé. Force plus 3, poids 27 kg. Waouh, ça va, j'ai la possibilité de le porter, mais quand même, 27 kg, faut que je me trouve une petite place. Ouais. Ça, il n'y a peut-être pas besoin de le garder ici, ça. En plus, j'en ai un. Toc. Parfait. Voilà. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à récupérer ici? Non, non. J'ai fini la quête là. Définitivement. Oui, bah ça c'est ce que je viens de faire. Droite, c'est ok. Donc ça doit être le quatrième celui-là, puisqu'il met 3 de ses livres ont été découverts et doivent être... Ah non, ont été découverts, ok. Bon. Qu'est-ce que je fais? Ah, allez hop, tiens, on y va. On y va, on va aller dans le temple. Hein. Si je pouvais me débarrasser de Bricole. Alors, où c'est? Ah, c'est là-haut, normalement. Oui, il était un petit navire. C'est là, oui. Bien le bonjour. J'ai l'un des ouvrages de bonnes nouvelles à m'annoncer, bon. Ou venez-vous simplement me rendre visite? Quoi qu'il en soit, je suis heureuse de vous revoir. J'ai l'un des ouvrages que vous recherchez. Ah, en voilà une bonne nouvelle. Laissez-moi voir ce que vous avez là. Oh, mais c'est passionnant. Offrir Tom de l'ami. Cet ouvrage... un ouvrage qui sera fort intéressant de parcourir, pour ainsi dire. Cela m'emplit de joie. Voici pour vous. Qu'est-ce que... Elle m'a donné 500 points, ok. Oh, bon, on va essayer de la bouger un peu. Hein. Oh, oui, je sais. Tout ça. Vous pouvez certainement me donner davantage. Oui, les traités sont certes rares. Très bien,
Je vous donnerai ce que je peux, mais ne m'en demandez pas plus. Voilà, ok. Je vois vos marchandises, et là, ce moment, il y a... Ok. Donc, voilà, j'en ai ramené 3, il m'en reste 2. On s'en va. Un inventaire. Et oh, normalement c'est bon, tu dois pouvoir marcher. Ah non, il l'a pas validé. Ah, parce que j'étais en train de marcher. D'accord. Voilà. Bon, on retourne au temple, hein, pour... À moins que... Attendez. La carte. De l'Est. Je vais peut-être y aller à pied. Que je pense pas être dans la bonne direction. Voilà. Et toi, le chien. Ouais, t'as raison, attaque mon joueur. Tu veux encore un biscuit, toi? Bon, t'es bien parce que c'est toi, hein. Mais n'y reviens pas. Tiens. Bah, il se barre, le crétin. Saleté de chien. Allez, viens. Voilà. Non, et voilà, c'est bon. Voilà. Hein. On met. Alors. Grotte des trolls. Grotte, c'est peut-être celle-là. Donc, il faut que j'aille par là. Oh, il faut que je fasse tout le tour pour revenir là. En plus, je suis même pas sûr que ce soit là. Même pas sûr que ce soit là. Je me rappelle, il y avait une grotte où on ne pouvait pas rentrer. Et normalement, maintenant, je peux. Voilà. Alors. Pourquoi il montre l'image du... Alors là, je comprends pas. J'ai cliqué là, puis vous voyez, elle fait tout le détour là, alors qu'elle n'est pas foutue de contourner un tonneau. Où je suis là? Si je l'ai fait. Non, la caverne des trolls, je l'ai faite. Ouais, à mon avis, c'est pas dans la bonne zone. Ce n'est pas dans la bonne zone. On va aller voir l'autre. Hein. Et ça me surprendrait. Caverne des trolls, bon, d'accord. Donc on repart. Ah putain, c'est un mec qui est spécialisé dans la torture qui a fait le bruit là. Ah, dégage de là. Si tu veux réfléchir, tu dégages de là. Bon, ben on va aller en bas, oh, par le bas. Oui, putain, il a que ça à dire celui-là. On se dépêche. Ah, bien joué. Je fais un petit détour, hein, juste pour le plaisir. Botte de foin. Hein. Et bien joué, en plus c'est pas là que je voulais aller. Qu'est-ce qu'il y a là? Un truc pour les druides, ça, non? Pancarte, il expliquait que sur cette pancarte que ce monument était érigé pour commémorer la fondation de Parlast. Les lumières éternelles accueillent les visiteurs qui se rendent en ville. Ouais, bon. Bon,
Je vais quand même aller voir le coffre. On est là. Ouais, encore un sort. Et joue à chat. Touché, c'est à toi. Je pense pas que c'est celle-là, mais bon, peut-être toujours essayer. Et évidemment, c'est pas celle-là. Ah, c'est chiant. On va voir celle du bas maintenant. Non, c'est pas là. C'est pas là, puisque là, c'était un passage pour... Oh, ça me casse les pieds. Bon. Avez-vous besoin de quelque chose ? Je souhaite juste discuter un peu. La conversation est un moyen. J'aimerais que vous poursuiviez votre histoire, Rongemort. Je n'abandonnerai pas les recherches visant à retrouver la secte responsable de l'épidémie. J'ai prêté serment de vous aider à éradiquer ceux qui ont libéré la mort violente sur le monde. Mais au cours de cette mission, je poursuivrai ma quête de la main momifiée d'un cadavre inanimé qui pourrait libérer mes frères et sœurs de la non-mort. J'ai une main momifiée ici même. Se lira-t-il ? Voyons voir. Oui, cela convient. La non-vie n'a pas encore contaminé la chair desséchée de ce membre. Voyez cette main coupée, Kara. Voyez comme la chair fétide est devenue si serrée qu'elle dévoile la perfection délicate des os. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Il est vraiment bizarre, ce mec, hein ? Ah tiens, j'ai récupéré un objet. Il a été échangé. Je vous remercie, Kara, au nom de l'ordre de la mort lente. Je n'ai d'autre récompense pour vous que la bénédiction de mon ordre. Cette récompense est plus grande que vous pensez, Rongemort. Voilà. Vous verrez que cette bénédiction a renforcé les propriétés de l'amulette que je vous ai donnée quand vous avez trouvé l'anneau d'Alaganda. Une fois de plus, Kara, je vous remercie. Mais revenons à notre mission. Ceux qui ont apporté la mort hurlante doivent payer. Ok. Bon. Alors, où est-ce que je vais ? Où est-ce que je vais ? Je vais monter. Non, c'est par là. Bon, ça va pas durer longtemps. Il faudrait que je trouve une grotte. Là j'en viens. Bon, on va monter. Hein. On va aller là. Mais oh. C'est chiant quand on tourne en rond pour trouver quelque chose. Campement des druides, c'est pas ça. Bon, par contre, il y a un truc que je comprends pas. Ça fait un moment que Solomon aurait dû m'attaquer. Je me rappelle pas l'avoir tué. Qu'est-ce qu'on fait ? Grotte, ah, peut-être là. Non, ça c'est le camp des archéologues. Le camp des archéologues. Donc, théoriquement, j'y étais dans cette grotte-là. Thank you.
faire, il pleut. Voyons. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais en haut? Bon, allez, je monte. Je sauvegarde. Je sauvegarde comme ça, si c'est pas ce que je cherche, je rechargerai la partie à l'endroit là pour aller ici. Ça sera toujours ça de gagner. Alors, mine de Porlast. Ah, ça doit être ça. Je suis là, en plus, je suis pas là. Il me semble que c'est ça. Je sens le sort habitat. Je n'ai pas souvenir de cette image-là. Côte du Nord, mine de Porlast. Oui, apparemment c'est ici. En tout cas, je ne suis pas venu ici. Je peux pas y aller là. Je n'ai pas dû venir. Ah ouais, là il va y avoir plein de bestioles. Ah bah tiens, je vais faire une chose. Sauvegarder. Inventaire. Tac, tac, tac. C'est un piège. Ouais. Allez, on le pose. Tac. Et merde. Eh bah ça va, je vais me le prendre dans la gueule. Ouais. Le crétin. Crétin des îles. Suis-moi, me suivre. Allez. Maintenant, tu restes là. Aussi sûr que la mort nous guette. On va essayer de poser le piège. Voilà, donc on va essayer d'en mettre un autre. Hein. Pas grand-chose, mais c'est juste histoire de le débarrasser. Sauvegarde. On attaque le premier qui passe. Et on va au charbon. Voilà. Je vais. Bon ben, il s'est bien mangé le piège, apparemment. Et toi, t'as le droit d'aller attaquer aussi, hein? C'est pas réservé aux femmes. Chose ici. Où je suis? Où je suis? Et je me vois pas sur la carte. Goûte au froid. Je suis... Ah ouais. Bah dis donc. Tiens, il laisse des trucs. Hein. Une pièce. Ouais. C'est impossible. Ok, bon. Allez, suis-moi, toi. Suis-moi. Je le mets à l'écart, hein, parce que comme ça, il se prendra pas les dégâts. Aussi sûr que la mort nous guette. Et on joue le kamikaze. Piège déclenché. Waouh, j'ai encore pris cher, là. C'est impossible. J'arrive. C'est réglé. Voilà. Et après, on va dormir un petit peu. Ah, une cape. Pouvoir. Bonus d'armure. Plus 5 quand c'est contre les mauvais. Ok, c'est pas mal ça. Je l'utiliserai pas, mais c'est pas mal quand même. Je dis que je l'utiliserai pas parce que c'est toujours comme ça. Hein. Mais alors, est-ce que c'est ça que je devais regarder?
Ah, il me semblait bien que j'en avais déjà. Ça, c'est par là que je viens. On va se reposer. Et je pense que on va pouvoir sauvegarder. Et puis voir ça pour la prochaine fois. J'ai juste un œil sur. Chasseur de primes. Voilà, donc on va chercher Yesgar. C'est bien ça. Il a fourni la clé qui permet d'entrer dans les mines. Voilà, c'est bon. Bah, il ne reste plus grand chose. Et bah, il faudra que je fasse les mercenaires. Et il m'en reste deux. Chasseur de loups, il me reste un. Voici Daribes, bon, je sais pas parce que j'ai pas été discuté avec elle. Ouais, bon, bah, on n'est pas trop mal hein, dans ce chapitre. Voilà. Sauvegarder un caramine. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en espérant vous retrouver la prochaine fois. Merci, au revoir.